Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Vous avez eu une bonne journée? Oui. Une journée bénie, une journée de repos, une journée de sabbat, en ce septième jour. Puis, on en voudrait toujours des belles journées comme ça, n'est-ce pas? Des journées inoubliables, surtout avec les baptêmes qu'on a eu aujourd'hui. On peut vraiment rendre gloire à Dieu. Ce soir, je vous propose justement une méditation sur le repos de Dieu. La véritable observation du sabbat. C'est une méditation qui m'a été inspirée d'une prédication que j'ai vue de Nader Mansour. Sûrement que pour les adventistes du septième jour, la doctrine du sabbat, c'est celle à laquelle ils sont plus attachés. Hein? Dans le nom même, septième jour, il y a le sabbat. Mais qu'est-ce que veut dire le sabbat pour nous personnellement? Je vous propose ce soir de regarder le sabbat sous une autre perspective. Je ne vais pas vous faire une méditation sur le sabbat, peut-être plus traditionnelle ou classique, mais sous un autre angle qu'on va regarder. On va regarder certains versets qui sont les classiques, mais on va les regarder sous un autre angle. Parce que je crois que le Père et le Fils ont encore des révélations en réserve pour nous, n'est-ce pas? Sur la signification du sabbat aussi. Peut-être qu'on est des adorateurs, on observe le sabbat depuis des années. Mais je voudrais comme « challenger », on dit en anglais, mettre au défi encore un peu plus notre compréhension de la véritable signification du sabbat. Donc, on va prendre un premier texte qui se trouve dans 1 Jean, qui nous parle de notre communion avec le Père et le Fils. 1 Jean 1, 3. Il est dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Je trouve que ce verset-là me rappelle un verset qu'on aime beaucoup dans Jean 17, 3, qui dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître. C'est un mot intéressant, connaître, dans la Bible. Hein? C'est avoir une relation intime, une communion. Ça, c'est l'Évangile et c'est le salut. La communion, la connexion personnelle avec Dieu. Est-ce que vous avez une connexion personnelle avec Dieu? Pas une connexion dans mon parcours, moi, comme chrétien, quand j'étais jeune, on allait à l'église, puis si on voulait demander pardon à Dieu, il fallait aller vers un intermédiaire, le curé. Vous avez peut-être connu ça, certains d'entre vous. Moi, je vous parle d'une connexion personnelle, pas avec aucun autre intermédiaire, ni un pasteur qui pourrait nous dire comment agir, ou on a accès à parler directement avec notre Père céleste. Une connexion personnelle avec lui. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà été en amour? Ah, j'ai entendu un oui là-bas, je pense que c'est ma femme. Ah, ben, phew! Mais vous, est-ce que vous avez déjà été en amour? Oui! Oui. Donc, pensez au premier temps quand vous avez été en amour. Moi, je pense à des jeunes. Là, j'en regarde Olivier et Aravena. Mais on dirait que des jeunes qui, dans les premiers jours, les premiers temps, c'est comme s'ils sont dans un nuage. Ils ne portent plus à terre. Hein? C'est la relation d'amour entre les deux. Puis là, je vois les mains entrelacées de certains. Non, mais c'est beau quand on est en amour. Hein? On dirait que tout ce qu'on fait devient quelque chose de spécial. On s'en va prendre une marche, c'est spécial. On se prend par la main, puis on s'en rappelle, on a vécu un moment spécial. Même aller magasiner, même pour un gars, ça devient quelque chose de spécial parce que tu le fais avec celle que tu aimes, que tu es en amour. Donc, on dirait que le temps s'arrête, il n'y a plus rien qui compte, c'est le bonheur. «
On dirait qu'à ce moment-là, on veut juste passer du temps ensemble. Il manque de moments, on voudrait toujours être ensemble. On peut dire que c'est le facteur « wow ». Il y a quelque chose de spécial, une relation d'amour. Puis, je me souviens quand j'ai tombé en amour avec celle qui est devenue ma femme, on a été séparés après quelques mois seulement qu'on s'était connus, parce que moi, je devais retourner à Bécomo pour travailler pour l'été. Puis là, on a été pendant 4 mois, pendant que j'étais à l'université, puis là, à partir du mois de mai, j'étais à Bécomo jusqu'au mois de... et je revenais au mois de septembre. Puis elle était restée à Québec. Hey, c'était long, 4 mois. Là, on avait connu ce moment wow-là, puis là, on n'était plus ensemble. Qu'est-ce qu'on faisait? J'avais un travail qui me permettait de j'avais beaucoup de temps à mon travail. J'étais un surveillant là, d'un centre de loisirs. Il n'y avait presque rien à faire. Fait que j'avais le temps, j'écrivais des lettres. Oui, à cette époque-là, on écrivait des lettres. Il n'y avait pas encore des courriels, il n'y avait pas encore de Facebook, tout ça. Donc, j'avais le temps d'écrire des lettres. Et j'envoyais une lettre, puis elle m'en écrivait une. Puis j'en renvoyais une, puis elle m'écrivait... Puis elle a tout gardé les lettres que je lui ai écrites. Moi, je ne les ai pas gardées, là, mais... Mais je pense qu'elle les a gardées pour moi, là, en fait, là. Mais bon. En tout cas, il s'est tout écrit dans les lettres. Puis quand je relis ça, je dis « wow, j'ai vraiment dit ça ». Moi, je disais beaucoup de choses. Mais j'étais en amour. Puis j'écrivais des lettres. Puis on s'appelait au téléphone, puis on pouvait parler 2 heures au téléphone. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne se parlent plus au téléphone, hein, ils se textent. Mais avant, on parlait au téléphone. Non, je n'ai pas emmené de lettres. Mais c'est pour vous dire que quand on est en amour, on est prêt à faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Hein, on est prêt à presque, on dit décrocher la lune. Je suis sûr qu'Olivier, pour Ravenna, il serait prêt à faire, à mettre presque sa vie en danger, n'est-ce pas? Pour. Donc, c'est quelque chose de merveilleux quand on tombe en amour. Si vous n'avez jamais connu ça, je vous souhaite de connaître ça. Je pense qu'on a tous eu un moment comme ça. Le temps s'arrête quand on est ensemble. Bien, c'est ce que Dieu veut avec nous, avec son Père et avec son Fils. Une relation personnelle. Connaître, c'est une relation intime. C'est une relation d'amour qu'il veut avec nous. C'est beaucoup au-delà d'une doctrine que je vous parle. Beaucoup au-delà d'une loi ou de règlement. Vous me suivez? Une relation d'amour, une communion avec le Père et avec le Fils. C'est merveilleux. Mais souvent, dans un couple, avec les années, c'est plus la passion. On dirait que la lune de miel là, est passée, puis le bonheur, on dirait qu'il a été évincé par toutes sortes de distractions ou d'autres considérations. Mais Dieu... Pour la relation d'amour qu'il veut avoir avec nous, dans son intelligence infinie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le sabbat pour maintenir cet état de lune de miel avec lui. Un état d'amour et de communion avec le Père et avec le Fils. Le sabbat est en fait comme une date. Vous savez ce que je veux dire quand je veux dire une date? Un rendez-vous d'amour? Une date. Le sabbat, c'est comme une date. Vous avez une date. Un rendez-vous d'amour au niveau spirituel. Malheureusement, mes années d'expérience en tant que quelqu'un qui adore le sabbat, qui respecte, qui suit le sabbat, j'ai souvent vu ça parmi nous, on va le dire comme ça, dans une autre perspective. Mais la vie éternelle est cette communion entre le Père et le Fils et vous et nous. C'est ça la vie éternelle. Pour l'éternité, ça va être une communion avec notre Père et notre Fils. Et le Fils, oui. Pas notre Fils. Non, le Fils. Excusez-moi. Parce que le Père et le Fils, ils sont la source de la vie éternelle. Et ils veulent avoir une relation avec chacun de nous personnellement. Donc, on va prendre un texte dans Marc 2, 27. C'est un texte qui est souvent utilisé pour parler du sabbat. Pour voir de quelle manière le sabbat joue ce rôle dans la relation entre nous et Dieu.
Marc 2, 27. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Pourquoi est-ce que vous gardez le sabbat? On peut dire les phrases classiques. Bien, parce que Dieu a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Le sabbat est le quatrième commandement, comme on peut le voir dans Exode 20. Donc, je garde le sabbat. Mais pourquoi est-ce que vous gardez vraiment le sabbat? Vous direz peut-être parce que c'est la volonté de Dieu et nous voulons lui plaire. Cela le rend heureux et nous sommes agréés par lui. Dieu a une journée préférée, il l'a mise à part, c'est sa journée. Nous gardons cette journée, cela plaît à Dieu et tout le monde est heureux. Bon, j'ai simplifié beaucoup là, mais vous comprenez l'idée. Dans le verset de Marc 2, 27, on voit quelque chose de très significatif. Le sabbat n'a pas été fait pour Dieu. Vous voyez ça là-dedans? Selon Jésus, le sabbat a été fait pour qui? Pour l'homme. En d'autres mots, c'est comme un cadeau de Dieu pour l'homme. Voyez-vous ça? Un cadeau qui a été fait pour faciliter quelque chose. Il y a un objectif plus grand dans le sabbat que le sabbat en lui-même. Souvent, on ne voit que le sabbat en lui-même. C'est la journée qu'il a choisie et on veut lui plaire. On garde le sabbat et voilà, c'est fait. Simple et facile. Job done, comme disent les enfants aujourd'hui. Check. Peut-être que ça marche ça, pour les enfants. Mais on doit dépasser ce niveau de compréhension, n'est-ce pas? Surtout rendu à la fin des temps, où on devrait être rendu à un niveau de maturité. Écoutez, les 144 000 vont arriver à la maturité du caractère de Christ. On devrait avoir dépassé ce niveau de maturité. On devrait, sinon, si on reste avec un niveau de maturité ou une expérience enfantine par rapport au sabbat, c'est sûrement pas ce que Dieu désire pour nous. Donc, si vous permettez, on va aller encore un peu plus en profondeur par rapport à la signification du sabbat. Alors, on a vu que le sabbat est comme un cadeau ou un outil pour faciliter quelque chose. Et on va aller voir c'est quoi. Mais une autre chose que l'on voit dans ce verset ici est que si le sabbat a été fait pour l'homme, alors qu'est-ce qui est le plus important aux yeux de Dieu? Le sabbat ou l'homme? Pensez-y. Le sabbat a été fait pour l'homme. C'est un cadeau pour l'homme. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? L'homme, bien sûr, et non le cadeau. L'homme est tellement important pour Dieu qu'il a décidé de lui faire un cadeau que l'on nomme le sabbat. Il a été fait pour l'homme et ce n'est pas le contraire. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Souvent, la pensée est que le sabbat est la plus importante chose et l'homme a été fait pour observer le sabbat. Vous savez que c'était la pensée des Juifs, ça. La pensée que le sabbat est la plus importante chose et que l'homme a été fait pour le sabbat. Et Jésus est venu leur dire, non, c'est le contraire. Le sabbat a été fait pour l'homme. Vous me suivez? Et aujourd'hui, bien que ce soit plus subtil et inconscient, on voit que l'équation est souvent inversée parmi les adventistes. Un peu comme c'était pour les Juifs. C'est plus subtil, peut-être inconscient, mais je constate, moi, dans mon expérience d'adorateur du sabbat depuis déjà plus de 20 ans, 22 ans, que j'ai constaté ça, souvent ça. On dirait que l'histoire se répète et les adventistes souvent tombent dans le piège du légalisme, que je veux dire entre guillemets, un peu comme les Juifs. Donc, pour Dieu, l'homme est plus important et il a décidé de lui faire un cadeau appelé le sabbat. Vous me suivez, vous êtes d'accord? Plusieurs diront oui,
C'est bien vrai. Mais notre attitude envers le sabbat doit se refléter dans nos actions. Donc, notre comportement démontre comment on comprend le sabbat. Donc, nous allons donc creuser encore un peu plus loin et regarder un passage familier sur le don du sabbat. C'est dans Genèse 2. On remonte vraiment au début de la Bible. L'histoire de la création. Dieu a tout créé en 6 jours. Et ensuite, il dit, versets 1 et 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Ce verset nous parle de l'origine du sabbat. Et plus important encore, pourquoi il est tellement spécial? C'est que Dieu lui-même s'est reposé ce jour-là après avoir terminé son œuvre. Alors, le contraste est que Dieu a travaillé pendant 6 jours et qu'il n'a pas travaillé le 7e jour. Dieu n'ayant pas travaillé, ça veut dire qu'il s'est reposé. Et est-ce que c'est parce qu'il était fatigué qu'il s'est reposé? Non, Dieu n'est pas fatigué, il sera capable de créer à tous les jours pour toujours. Donc, le repos signifie le contraire du travail. Et en fait, le mot sabbat veut dire repos, hein, c'est ça? Puis le repos, ça signifie le contraire du travail. Il n'a rien créé Dieu pendant le jour du sabbat. Puis c'est pas qu'il devait récupérer. On l'a dit, il n'était pas fatigué. Mais il n'a fait aucune œuvre. C'est important parce que c'est lié à l'Évangile. Donc, non seulement Dieu n'a pas travaillé et s'est reposé, mais il a béni et sanctifié cette journée. Et il l'a béni et sanctifié parce qu'il s'est reposé. C'est la signification du sabbat, repos ou cessation du travail. Et il a donné lui-même l'exemple. Pour simplifier, il a rendu cette journée très spéciale. Elle est sanctifiée et elle est bénie. Le Père et le Fils se sont reposés le 7e jour. La création a été faite par Dieu le Père au travers de son Fils. Puis quand il a créé Adam et Ève, Dieu a créé 2 êtres et il dit « Faisons l'homme à notre image ». Le Père a dit ça à son Fils, « Faisons l'homme à notre image ». Et le Père et le Fils se sont reposés lors de ce tout premier sabbat. Et pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé? On l'a dit, il n'était pas fatigué. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu tantôt, que le sabbat n'a pas été fait pour Dieu. Mais pour qui? Pour l'homme, comme un cadeau. Dieu nous a fait un cadeau. On va prendre Exode 31:17 et nous commencerons à voir la raison pour laquelle Dieu s'est reposé le sabbat et ce que cela signifie pour Dieu. Dans Exode 31, au verset 17, le texte nous dit « C'est un signe entre moi et les fils d'Israël, à toujours, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé et a été rafraîchi. » Avez-vous vu le mot ici? Rafraîchi. Dans la version Darby, c'est ce qui était utilisé ici. C'est ce qui correspond le mieux au sens du texte. Que veut dire que Dieu a été rafraîchi? Avez-vous été rafraîchi? Aujourd'hui, ceux qui ont été baptisés sûrement ont été rafraîchis. Et comment on se sent aujourd'hui? Maintenant, on dirait qu'on se sent relax, hein? On se sent bien. On est allé dehors, on a pris un peu de soleil, on a vécu un moment mémorable. On s'est réjoui avec nos frères, nos sœurs. On était rafraîchis. Il y a quelque chose dans le sabbat qui réjouit Dieu ou le rafraîchit. Avez-vous réalisé ça? C'est comme on a dit plus tôt, quand on disait que le sabbat, c'est comme une date.
un rendez-vous d'amour au niveau spirituel avec Dieu. Hein? Puis pensez au tout premier sabbat de Dieu avec Adam et Ève. Ah, ils sortent des mains de leur Créateur. Ils ont été créés le sixième jour. Hein? Puis dès leur premier jour, c'est un jour de repos. Est-ce que eux, Adam et Ève, étaient fatigués? Ils ont été créés en dernier de la création. Sûrement, ils n'étaient pas fatigués. Donc, on comprend que le sabbat n'est pas là pour qu'on dorme. Ce n'est pas ce genre de repos-là qu'il veut, le repos de Dieu. Hein? Donc, on pense au premier sabbat de Dieu avec Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu a fait avec eux pendant cette journée-là de sabbat? Où il voulait entrer en relation avec eux d'une manière spéciale. On a dit que c'est une date, un rendez-vous d'amour, un cadeau qu'il leur fait. Ah, il a dû leur expliquer toutes les choses qu'il avait créées pour eux. Puis eux, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Apprécier la perfection. Donc, entrer dans le repos de Dieu, on commence à comprendre que c'est entrer dans les œuvres parfaites, complètes et totalement accomplies. Rien à y redire. Hein? Est-ce que Adam aurait pu dire, « Hey, mon Dieu, c'est beau, hein? Mais là-bas, l'arbre là, ou la fleur, là, je ne l'aurais pas fait cette couleur-là, moi. Je l'aurais fait une autre couleur. » Est-ce qu'il avait envie de dire ça? Non. Dieu passait un temps de qualité avec eux. Il était en train de se réjouir avec eux. Il était en train de leur parler de toutes les merveilles qu'il avait faites. C'était un moment mémorable. C'était inoubliable comme journée. Leur première journée. Toutes les merveilles qu'il avait créées. Et Dieu s'en est trouvé rafraîchi de voir cette expérience vécu par nos premiers parents, de ce merveilleux moment qu'ils passent avec leur Créateur. Dieu s'en est trouvé rafraîchi. Un cadeau qui réjouit le Père et le Fils. Et Dieu trouve cela tellement merveilleux qu'il dit à Adam et Ève, « Bien, nous allons avoir ce rendez-vous spécial à toutes les semaines. Nous allons cesser nos travaux et passer du temps ensemble. » N'est-ce pas merveilleux? C'est comme pour des parents avec leurs enfants. Je pense qu'on peut bien le comprendre comme ça. La joie des parents quand leurs enfants reçoivent un cadeau, par exemple. Ils leur offrent un cadeau pour leur anniversaire. Et là, l'enfant reçoit le cadeau. Il est tellement content. Puis là, ben, il dit, il est en train de l'essayer, son cadeau, son jouet. Puis il dit, « Papa, papa, regarde-moi! » Puis qu'est-ce qu'on fait comme parents? On les regarde et on se réjouit. Il dit, viens, viens l'essayer avec moi. On n'a pas besoin d'essayer, mais on le fait parce qu'on est, content. On se réjouit de voir nos enfants être dans la joie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça nous rafraîchit. Quand on voit nos enfants se réjouir, c'est sûrement rafraîchissant. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu avait ce même sentiment-là d'être rafraîchi? De voir Adam et Ève si émerveillés? À quel point Dieu devait se réjouir et être rafraîchi de voir l'expérience de ses enfants? Et comment il jouissait des merveilles de l'œuvre qu'il avait créée pour eux? Il avait tout fait ça pour eux. Donc, sûrement que si vous êtes parents, vous pouvez voir le parallèle quand vous voyez vos enfants heureux. Quel bonheur que de les voir se réjouir, n'est-ce pas? Le sabbat n'a pas été fait pour Dieu de manière égoïste, mais Dieu s'en trouve réjoui ou rafraîchi de voir ses enfants être heureux. C'est une relation d'amour qui s'est établie lors de cette journée consacrée, qu'il a bénie et sanctifiée. Et il a dit, « Nous allons continuer à toutes les semaines. » Et depuis ce temps, chaque sabbat qui passe, chaque septième jour, nous renvoie au premier sabbat, où Adam et Ève devaient être tellement émerveillés d'avoir cette relation d'amour qui commençait à se développer pour eux. Ils découvraient leur Créateur. Connaissez-vous votre Créateur? Êtes-vous entré dans cette relation d'amour avec lui? Et tout cela, Adam et Ève, ça vient avant l'apparition du péché, n'est-ce pas? Oui, là, le premier sabbat, il n'y avait pas encore le péché. Et ça s'est poursuivi même après le péché. Et ça a pris une signification encore même plus importante en relation avec le salut,
Adam et Ève n'avaient pas besoin de salut, ils n'étaient pas perdus. L'Évangile est que Dieu désire une relation personnelle avec chacun de nous pour restaurer ce qui a été perdu. Car au début, Dieu avait ce rendez-vous spécial. Puis quand est arrivé le péché, ça a mis une séparation, ça, entre Dieu et l'homme. Et il a fallu son Fils lui-même pour réconcilier le Père avec l'humanité. Parce que quelque chose avait été brisé. Est-ce qu'on n'a pas encore plus besoin qu'Adam et Ève de cette relation d'amour spéciale, ce rendez-vous d'amour, cette date avec notre Père et son Fils? Donc, à la lumière de ce que nous venons de voir, pouvez-vous voir à quel point nous avons altéré ou corrompu ce rendez-vous? Ce que je constate souvent, c'est que nous avons fait du sabbat où nous le percevons comme si c'était une chose à faire, n'est-ce pas? Est-ce que ça nous arrive? Ou est-ce que ça nous est déjà arrivé? Mais le sabbat est un rendez-vous, une date avec Jésus, avec son Père. Une journée à propos de ce que Christ a fait pour nous. Prenons un autre verset bien connu, dans Marc 2, 28. « De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. » Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est aussi le maître ou le seigneur du sabbat. Alors, le même genre de question que tantôt, d'accord? Lequel est le plus important? Le seigneur du sabbat ou le sabbat? Le seigneur du sabbat. Bien sûr, Jésus est le seigneur du sabbat. Et il est donc beaucoup plus important que le sabbat en lui-même, n'est-ce pas? C'est évident. Mais je mets l'emphase ici pour une raison. On a vu tantôt que le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, ce qui est le plus important pour Dieu est l'homme. Et le sabbat est un cadeau pour l'homme. D'un autre côté, on voit que le Fils de l'homme, Jésus, est le Seigneur du jour de sabbat. Alors, il est au-dessus du sabbat. Et bien plus important que le sabbat. C'est le jour du Seigneur et non pas le Seigneur du jour. Le Seigneur est premier. La journée lui appartient. Il l'a donnée, il est la source et l'origine. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que souvent aujourd'hui, nous avons donné une telle importance au sabbat qu'il en vient même à pratiquement à égalité avec Dieu lui-même. Puis on a une illustration de cela. Quand on pense à cette doctrine de Dieu dont on parle et dont on a fait un camp meeting même pour parler de la révélation du Père et du Fils. Et selon la Bible, c'est vraiment une chose très importante de savoir quel Dieu on adore, n'est-ce pas? Mais plusieurs disent, non, frère, le problème à la fin sera à propos du sabbat. De savoir qui est Dieu est un sujet secondaire. De parler de qui est Dieu et de qui nous devons adorer. Non, le vrai problème... c'est le sabbat. Ça va être ça à la fin. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Les gens vont nous dire ça. Ce que vous voulez parler là, de Dieu, là, de qui est vraiment Dieu, bien ça, c'est un sujet secondaire. On va bien le savoir quand il va revenir. Donc, mais on devrait parler du sabbat. Je vois qu'on se reconnaît là-dedans. Hein? Ou en tout cas, on a déjà entendu ça dans notre entourage. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'importance de connaître quel Dieu on adore par rapport au sabbat? Je pense qu'il faut revoir nos priorités. Dans notre liste de qu'est-ce qui est le plus important, le top, là. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. De comprendre la vérité sur le Fils de l'homme, qu'il est le Fils de Dieu littéral, qui il est, le Dieu de la Bible, cela est beaucoup plus important que la journée qu'il a donnée. Il est à l'origine de cette journée de sabbat, et non pas l'inverse. Il est le maître du sabbat. Et vous savez qu'à la fin, la question principale
sera une question d'adoration. Alors, c'est vraiment pas une question secondaire. Si votre compréhension de l'adoration se résume à la journée que vous observez, bien, vous avez malheureusement été grandement trompé. Ça ressemble même à la nation juive qui a tué le Seigneur du sabbat pour maintenir le sabbat. C'est ça la réalité, hein? Parce que pour eux, pourquoi ils l'ont crucifié, si vous regardez les évangiles, vous allez voir que c'est parce qu'ils considéraient qu'il violait le sabbat. Pourtant, il était venu pour leur montrer la vraie adoration, la vraie manière d'observer le sabbat. C'est très sérieux. Il faut garder cela en tête. Donc, le sabbat est un outil ou un cadeau pour l'homme, pour faciliter la relation entre Dieu et l'homme. C'est un mémorial de la création, on dit ça, hein? Un mémorial du repos de Dieu. Un mémorial du temps de rafraîchissement que Dieu passait avec Adam et Ève. Puis là, si vous voulez vraiment entrer dans ce moment de rafraîchissement-là, que vous voulez l'imaginer, pensez à Adam et Ève. Pensez comment ça devait être merveilleux, la création, de tout ce qu'il avait fait pour eux. Comment ça devait être un rendez-vous spécial qu'ils ont eu ensemble ce premier jour. Et c'est ce qu'il veut avoir avec nous aussi aujourd'hui, avec vous personnellement. Lorsque l'on regarde au sabbat de cette perspective, cela met les choses dans un contexte relationnel. On n'est plus dans une question de loi, de doctrine, de règlement, mais dans une question de relation. C'est très différent à cette perspective-là. Mais souvent, on enlève tout cela et le sabbat se résume à une instruction qui devient sèche. Et ça devient des requis à observer pour plaire à Dieu. Et ça peut même devenir un fardeau. On peut regarder à des adorateurs du sabbat qui ont des familles. Quand on voit que les enfants, là, ils ont tellement hâte que la journée finisse, ça devient... ils se morfondent. On peut voir si cette famille-là a la bonne compréhension de la signification du sabbat. Parce que le sabbat est alors dit de toutes sortes de choses à faire et à ne pas faire. Puis là, quand je dis ça, je pense aux Juifs. Ils s'étaient inventés tellement de règles d'hommes à respecter pendant le sabbat qu'ils en venaient à dire, hey, si une personne réussit à faire toutes ces règles-là, bien, le Messie va revenir. Ils ne réussissaient pas à faire tout ce qui s'était mis comme règle, tellement de fardeaux, tellement lourds. Des choses à faire, des choses à ne pas faire. Le sabbat, souvent, se résume à ça. Et en fait, souvent, c'est plus de choses à ne pas faire, hein? On va y revenir. Mais quand le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qui est arrivé avec le sabbat? Dieu ne l'a pas arrêté, n'est-ce pas? Il a conservé ce moment précieux qui était encore beaucoup plus devenu nécessaire, n'est-ce pas? Parce que nous devions reconnecter avec Dieu. Le péché avait amené une séparation avec Dieu. On avait encore plus besoin de reconnecter avec lui. Et nous avions vraiment besoin de ce rendez-vous encore plus que jamais. Un rendez-vous d'amour, une date avec notre Seigneur. Un signe de recréation. Parce que le sabbat est non pas seulement un signe, un mémorial de la création, mais un mémorial de la rédemption, de la recréation qu'il veut faire en nous. Voyons Ézéchiel 20, aussi un autre texte très utilisé pour le sabbat. Ça dit, je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Le sabbat est quoi? Un signe. Un signe pour la sanctification. C'est le Seigneur qui nous transforme et nous rend saints. Vous savez, le sabbat est un signe et non pas une destination. Comprenez ce que je veux dire? Un signe, ce n'est pas une destination. Quand on arrive au signe, on n'est pas encore arrivé à destination, hein? Par exemple, si vous prenez un signe, vous êtes sur la route puis vous voyez Québec Centre-Ville. Êtes-vous arrivé quand vous voyez l'affiche qui dit Québec 22 km encore à parcourir?
Êtes-vous arrivé à destination quand vous êtes arrivé au signe? Le sabbat est un signe, mais la destination n'est pas le sabbat. La destination est la sanctification que Dieu nous donne, selon le verset d'Ézéchiel qu'on a vu juste avant. La destination est l'objectif du sabbat. Est-ce que notre but en tant que congrégation adorateur qui respecte le sabbat, est-ce que notre but est seulement d'amener des gens à respecter le sabbat? Et lorsque ça se produit, qu'on a réussi à amener quelqu'un au sabbat, nous disons « mission accomplie ». Job done, il est rendu dans l'église, merveilleux, maintenant il adore le sabbat, c'est ça qu'on devait faire. Ça devient un objectif et une destination. Et c'est pas ça, c'est un signe, c'est pas une destination. Il y a encore plus que le sabbat. Lorsque quelqu'un accepte le sabbat, il n'est pas parvenu à la destination. On oublie qu'il s'agit d'un signe. Il faut reconnaître que dans les rangs adventistes, il y a une mauvaise compréhension de ce que Dieu désirait pour le sabbat. On devrait le savoir. On est des adventistes du septième jour. Mais il y a un grave danger de tomber dans le piège dont les Juifs étaient tombés. Un grave danger. On ne peut pas parler pour les autres. On ne peut pas regarder à d'autres des églises adventistes. Moi, je ne veux pas parler contre les adventistes ici parce que je me définis comme un adventiste du septième jour. On ne pourra jamais m'enlever ça. Adventiste veut dire qu'il attend le retour de Jésus, septième jour. Parce qu'on a reconnu, cette journée-là du sabbat que Dieu a donné comme un signe. Mais on peut passer à côté de l'objectif du sabbat, qui est plutôt la sanctification et la connexion avec Dieu. La communion et la relation d'amitié avec le Père et le Fils. Donc, on ne peut pas juger les autres, mais on peut se regarder à nous-mêmes. Nous, par rapport à notre expérience avec le sabbat, avec surtout celui qui est le maître du sabbat. Le sabbat est un signe de ce que Dieu accomplit en nous. Un signe, parce que c'est la sanctification, le sabbat. Le signe de la sanctification. 1 Corinthiens 1:30 nous dit, nous arrivons maintenant à la composante principale du sabbat. Ici, il nous dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus-Christ est notre sanctification, rédemption, notre sagesse, notre justice. Dieu l'a fait devenir cela pour nous. Wow! Êtes-vous heureux? Oui. Et le sabbat, mes frères et sœurs, est un signe que le Père nous sanctifie en nous donnant son Fils unique, son unique engendré. Alors, le but ou l'objectif du sabbat n'est pas la journée en elle-même, mais il pointe vers la sanctification que nous avons en Christ par Dieu. On comprend maintenant pourquoi Jésus a dit que le Fils de l'homme était maître ou seigneur du sabbat. Il est le but, Jésus. Il est l'objectif du sabbat. Le sabbat est un signe qui pointe à lui parce qu'en lui se trouve notre sanctification. Se souvenir du jour du sabbat, c'est comme un rendez-vous avec la personne qu'on aime. Notre rendez-vous est avec le Père et le Fils. Parce que dans ce rendez-vous, dans cette relation d'amour, cette communion, c'est à propos de la vie éternelle. Car la vie éternelle, on l'a dit tantôt, hein, c'est qu'ils te connaissent. Connaître, c'est une communion. Ce n'est pas notre observation du jour qui le rend saint. Vous êtes d'accord? C'est important parce que la Bible nous dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. » Ce n'est pas notre observation du jour qui le rend saint.
C'est notre souvenir qui conserve sa sainteté que Dieu lui a donnée. Jésus est le point principal et le sabbat est un mémorial de ce qu'il a fait pour nous. Le sabbat est le contenant. Mais qu'est-ce que c'est le contenu? Le contenu, c'est Christ, notre justice et notre sanctification. On a un merveilleux livre en arrière, Christ, notre justice. Lisez-le pour comprendre encore plus c'est quoi le contenu. Qu'est-ce qui est plus important, le contenant ou le contenu? Et dans Matthieu 11, versets 28 à 30, qu'est-ce qu'il est dit? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » De quel repos est-ce que Jésus parle ici? On se souvient que le mot repos signifie sabbat. Il parle du sabbat, mes frères et sœurs. Repos pour nos âmes. Le repos qui est en Christ, parce qu'il est devenu notre sanctification. Qu'est-ce que serait l'opposé de cela? L'impiété, la méchanceté, le péché, en fait. N'est-ce pas? Le péché, c'est le fardeau que nous portons. Ah! Un fardeau que nous portons, le péché. L'avez-vous déjà vu comme ça? Le contraire du repos. En fait, vous venez de comprendre c'est quoi le sceau de Dieu dans la Bible. Dans l'Apocalypse, quand il dit qu'on va recevoir un sceau, qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu? C'est le repos dans les œuvres parfaites de Dieu. Dans le fait, c'est la victoire sur le péché, qui se trouve juste en Jésus-Christ. Voilà le repos, le vrai repos de Dieu. Et vous venez de découvrir aussi c'est quoi la marque de la bête. Ça serait le contraire de ça, c'est le péché. Le contraire du repos, c'est le péché. C'est un fardeau qu'on porte. Ça veut dire que Christ ne vit pas en nous. Et pas juste le sabbat, le péché. Tu sais, on dit que la marque de la bête, c'est quand on n'observe pas le sabbat. Ou quand on observe une autre journée qui devient notre propre journée. Mais en fait, c'est pas juste ça. Ça ne se résume pas à juste ça. C'est le péché. N'importe quel péché que vous faites, si vous transgressez un péché, vous caressez un péché, voilà, vous avez la marque de la bête. Le péché est le fardeau que nous portons. C'est un fardeau qui nous tue. Jésus nous dit, « Venez à moi, et je vous donnerai quoi? » Du repos. Le repos spirituel. On ne parle pas d'un repos physique ici, hein, bien sûr. La paix dans votre esprit, d'être libéré du péché, de l'injustice. Voilà le vrai repos. Le repos en Christ. Au travers de Christ, le repos pour notre âme. Alors le sabbat devrait en tout cas être un signe et un rappel de ce repos pour notre âme. Et ce repos qui résulte de cette communion qu'on a parlé, cette relation d'amour avec le Père et le Fils, la dette qu'on a à chaque semaine avec notre Créateur. Et le repos de l'âme, ce n'est pas juste une journée. Le repos de l'âme, c'est une expérience que nous avons à tous les jours, en continu. Si vous limitez ça juste à une journée, qu'est-ce qui se passe avec le repos en Christ les autres journées? C'est d'avoir la vie de Christ, en fait. Non pas juste pour une journée, mais continuellement. Amen. Voilà ce que signifie avoir le repos pour notre âme. Mais nous, on est des humains, on a tendance à oublier. Hein, c'est vrai, hein, qu'on a tendance à oublier. Et le sabbat est là pour nous rappeler cette réalité. À toutes les semaines. Rappelez-vous le premier sabbat que Adam et Ève ont passé avec leur Créateur. C'était merveilleux cette journée-là. Puis lui, il veut avoir ce moment-là à toutes les semaines. Parce qu'il sait qu'on est oublieux. Il a comme mis une borne dans le temps. À toutes les 7 jours, on a une borne dans le temps. Où est-ce qu'on ne peut pas oublier? Puis, vous savez, les hommes ont essayé de changer le calendrier. Le calendrier de 7 jours, il n'est pas logique, hein?
Dans le sens où on a 365 jours, ça fait la Terre, bon, le Soleil fait le tour de la Terre. On a le mois, hein, c'est le cycle lunaire. On a le 24 heures, c'est le 24 heures d'une journée. Mais le 7, vous savez que les Français ont essayé d'instituer une semaine de 10 jours. Est-ce que ça a duré longtemps? Ça n'a pas fait fureur. Ça ne marchait pas. On n'est pas fait pour un cycle de 10 jours. C'est Dieu qui nous a créés. Il sait qu'on est fait pour un cycle de 7 jours. Il dit, tu travailleras 6 jours. Le 7e jour, tu te reposeras. On est fait comme ça. Donc, on a tendance à oublier, nous. Et qu'il nous a mis un rappel à toutes les semaines. C'est intelligent. C'est génial ce que Dieu est un génie. On entre dans cette réalité-là à chaque semaine, de façon plus excellente avec le sabbat. Christ est notre repos. Il nous délivre du péché qui nous tue. Non seulement physiquement, mais spirituellement. Christ est le contenu du sabbat. Le sabbat, c'est le contenant. Christ est le contenu. Si on l'enlève, il ne reste plus rien qu'un contenant stérile. Vous savez que les Juifs ont enlevé le Seigneur du sabbat, puis même, ils l'ont tué. Il aimait mieux garder le contenant, eux autres. Ne tombons pas dans le même piège, mes frères et sœurs. On devrait vraiment apprendre de cela pour éviter la même erreur. Parce que les choses qui nous sont racontées dans la Bible nous servent d'expérience, oui, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Sinon, le sabbat devient un fardeau, et pour les Juifs, c'était un fardeau. Et Jésus l'avait vu, il a essayé de réformer ça. Très peu ont compris. Et il est difficile de convaincre les gens si nous ne sommes pas dans la vraie signification du sabbat. S'ils nous voient adorer le sabbat de façon légaliste, bien, ils ne veulent rien avoir à faire avec ça, eux. Ça ne sent pas bon. Si les gens n'y voient qu'une exigence légale de suivre un règlement, ça ne les attire pas à Christ. C'est Christ le contenu. Jésus est notre repos et la paix de notre âme. Amen. Voyons maintenant Hébreux 4, souvent utilisé pour mettre l'emphase sur l'observation du sabbat. Matthieu 4, versets 9 à 11. Il est dit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et on pourrait dire aussi, exemple d'obstination et crédulité. À la fin du passage, il nous est dit de nous efforcer d'entrer dans ce repos. Entrer dans ce repos signifie quoi en fait? De cesser nos propres œuvres. D'entrer dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que nos œuvres? Ce sont nos efforts pour obtenir la paix, pour obtenir le repos, pour obtenir le salut même, pour obtenir la rédemption, la délivrance du péché. Très souvent, nous mettons beaucoup d'efforts, d'énergie et d'attention à essayer d'obtenir l'approbation et la faveur de Dieu. Nous y travaillons, mais nous ne pouvons entrer dans le repos de Dieu de cette manière. On aurait beau essayer toute notre vie, ça ne marchera jamais si on passe à côté du vrai objectif du sabbat, qui est Jésus-Christ. Nous n'entrons pas dans le repos du sabbat, dans le repos de Dieu, en essayant de lui obéir ou de lui plaire. Pourtant, le verset 11 nous dit de nous efforcer d'entrer dans ce repos. Et s'efforcer signifie travailler. Ça semble être une contradiction avec ce que je vous dis. Mais le travail qui est mentionné dans le verset n'est pas le travail à lequel nous sommes familiers. Il s'agit du travail de la croyance. Parce que
Le mot à la fin du verset 11 signifie « obstination et crédulité ». Alors, le travail pour entrer dans son repos est celui de la foi. Amen. Et la seule foi qu'on a besoin, c'est la foi de Jésus, en fait. Ce n'est pas un travail ou une œuvre. La foi n'est pas une chose à faire. C'est de croire et d'avoir confiance, de cesser de résister. C'est de cette manière que nous devons, que nous recevons et que nous entrons dans le repos de Christ. C'est ça la fondation de l'Évangile. Ensuite, nous pouvons porter son joug. Il a dit « Mon joug est léger ». Le joug implique un travail ou un effort. Mais ce n'est pas difficile. Ce n'est pas en tout cas le moyen d'obtenir le repos. C'est plutôt le fruit ou le produit de la réception de ce repos. Vous me suivez? Il faut mettre les choses dans le bon ordre. Mes chers frères et sœurs, le sabbat est un fruit ou un signe. Ce n'est pas le moyen d'être en Christ. Ce n'est pas le moyen d'obtenir Christ. Ce n'est pas non plus le moyen de gagner la faveur de Dieu ou son acceptation. Souvent, nous voyons l'observation du sabbat de cette manière. Mais quand nous recevons Christ, nous découvrons qu'il veut avoir une relation continuelle avec nous à tous les jours. Et c'est ce qu'il a fait. Il a consacré un rendez-vous hebdomadaire appelé le sabbat, afin que nous puissions nous rappeler de cette relation continuelle avec lui et avec son Père. C'est ce qu'il veut avoir avec nous. On l'a dit, une relation d'amour, un rendez-vous d'amour. Voilà l'objectif du sabbat, voilà la signification de ce passage. Jésus est le repos. Le sabbat est un arrêt de notre travail. Mais est-il possible que nous en venions à traiter le sabbat comme un travail en soi? Les observateurs du sabbat sont vus comme des légalistes, disons-le. Hein? Les gens les voient comme des légalistes. Et je dois dire avec mon expérience que c'est souvent vrai. Pourquoi est-ce que je dis cela? On a juste à regarder qu'est-ce qui se discute partout dans le monde, parmi les observateurs du sabbat. Ils sont très préoccupés parce qu'il est permis de faire ou de ne pas faire le jour du sabbat. Combien il y a eu de discussions par rapport à des choses qu'on ne doit pas faire, ou faire, ou on pourrait faire, ou pas faire. Les Juifs sont entrés dans cette chose-là. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai des amis juifs. Je vous en ai parlé souvent, de mes deux amis rabbins. Puis vous savez qu'eux, ils ont, je vous l'ai dit, je pense hier, ils ont un ascenseur pour le sabbat. Parce qu'ils ne doivent pas pisser sur un bouton le jour du sabbat, parce que ce serait un travail. Ça va loin, hein? Donc, il y a un ascenseur pour le sabbat. Mettons que tu vis au 50e étage, bien, l'ascenseur va s'arrêter à tous les étages. Puis, vous savez, ils ont même mis un cycle de 7 jours, là. Ça se fait automatique. Le 7e jour, là, ça part comme ça. Tu n'as pas besoin de choisir ton étage, ça se fait tout seul. Si tu restes au 50e, ça se peut que ça soit long. La porte s'ouvre probablement à chaque étage, puis tu arrives. Donc, quand je parle avec mes amis rabbins, en tout cas, la dernière conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, avec un nouveau rabbin que j'ai appris à connaître, puis je lui ai dit que moi, je lui ai parlé du sabbat, tout ça. Je voulais savoir un peu, j'essaie de les provoquer un petit peu, savoir qu'est-ce qu'ils disent. Puis là, bien, lui, il était intéressé à savoir de quelle manière je faisais le sabbat, comme pour me prendre en défaut. Ils sont encore dans cette... En tout cas, je prie pour lui, je prie pour eux, parce que je pense que quand... Si les Juifs peuvent accepter Christ, waouh, ils vont tout comprendre. Tout va devenir clair. Il n'y aura pas besoin de leur expliquer autre chose qu'accepter que Christ était vraiment le Fils de Dieu. C'est ce que Simon-Pierre a reconnu, hein? Il était un Juif. Les Juifs peuvent reconnaître cette chose-là. Donc, on est très préoccupé par ce qu'il faut faire ou pas faire. Est-ce qu'on peut faire de natation le jour du sabbat? Il y en a qui ne vont jamais aller nager le jour du sabbat. Il y en a qui vont le faire. C'est pas moi qui vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais vous voyez, on est dans ce genre de discussion-là. Et qu'est-ce que ça révèle, en fait? C'est que dans une large mesure, nous traitons le sabbat comme une chose à faire
Dieu a dit, repose-toi de tes œuvres. Ayons un temps ensemble, une date. Puis, il faut dire que pour un enfant qui grandit dans une famille d'adorateurs du sabbat, bien souvent, c'est la journée qu'on n'a pas de plaisir, le sabbat. Là, mes parents me disent que je ne peux pas jouer sur mes jeux vidéo. Mes parents disent que je ne peux pas écouter la télé, que je ne peux pas faire ci, que je ne peux pas faire ça. Puis, ils ont juste hâte que le sabbat finisse. Les enfants sont très révélateurs de comment on comprend le sabbat. Justement, j'ai ma fille ici, puis je lui demande pardon si, dans ma façon d'observer le sabbat, de ce que je comprenais quand j'étais plus jeune, que j'ai peut-être pas été dans la bonne... Je ne l'ai pas mis dans la bonne compréhension par rapport au sabbat. En fait, quand on tombe en amour avec Jésus, quand on comprend que c'est un rendez-vous hebdomadaire d'amour, un date qu'il va avoir avec nous, une relation d'amour, comme quand vous avez eu une première date avec votre amoureux ou votre amoureuse, bien, quand on comprend ça, on comprend que c'est une bonne chose de mettre les distractions de côté. On voudrait passer du temps de qualité avec le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Yes. Donc oui, ça révèle que dans une large mesure, on a traité le sabbat comme une chose à faire. Il faut le voir, mes frères et sœurs. Dieu a dit, repose-toi de tes œuvres. Mais la raison pour laquelle Dieu veut que nous cessions de faire certaines choses, c'est qu'il veut qu'on ne soit pas distrait par toutes sortes de choses, parce qu'on a une date avec lui. Si vous avez un rendez-vous amoureux, puis que vous passez votre... écoutez, les jeunes, si vous avez une date, là, puis là, pendant la première date, là, ou d'autres, là, ou dans le moment où vous êtes dans une lune de miel, là, vous ne portez plus à terre, là, puis là, bien, tout d'un coup, il y en a un des deux qui est toujours en train de texter. Toujours sur son téléphone. Il est toujours distrait par quelque chose d'autre. Ça nous dit quoi, ça? Moi, je me souviens, quand moi et ma femme, elle a, quand moi et ma femme, on avait commencé à rester ensemble, on n'avait pas encore d'enfants. Un jour, on était allé manger au restaurant. Puis là, c'était comme une date, hein? C'était une sortie. Pour elle, c'était très important. On avait une sortie ensemble, on allait manger au restaurant. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant cette sortie-là? Là, on avait terminé, ou en tout cas, il y avait un journal, j'ai pris le journal, j'ai commencé à lire le journal. Pas fort, le gars, hein? Devant ma... Elle me l'a dit. J'ai plus jamais recommencé, hein? Non. J'avais compris que c'était un moment spécial. Pour moi, c'était spécial, mais pas autant que pour elle, ça avait vraiment une signification. Parfois, pour un, il y a un événement, une activité est plus spéciale que pour l'autre. Bien, il faut le comprendre. Dieu, pour lui, on l'a vu tantôt, c'est un moment de rafraîchissement. Il se réjouit de voir ses enfants apprécier tout ce qu'il a fait pour nous. C'est un rafraîchissement même pour lui, Dieu. C'est ça, le sabbat. Mais souvent, on ne sait pas quoi faire le jour du sabbat. On sait ce qu'il ne faut pas faire, mais... On ne sait pas ce qu'il faut faire. On a de la misère avec ça. On a de la misère avec notre compréhension du sabbat. Alors, pour passer le temps, et parce qu'on a eu une grosse semaine, bien, certains passent l'après-midi du sabbat à faire quoi? À dormir. Puis le sabbat se termine. Puis en fait, on a manqué notre date. On a dormi. Pas fort aussi, hein? Je suis sûr que ça nous est tous arrivé, parce que je vois les gens rire, là. Pensez à une date avec votre amoureux, votre amoureuse. Et pendant qu'il est en train de parler, vous commencez à dormir. C'est encore pire que de lire un journal, ça, hein, ma femme? C'est rien, lire un journal, comparé à ça. C'est certainement pire que d'être au téléphone ou lire un journal. Pouvez-vous imaginer maintenant nos premiers parents, Adam et Ève? Imaginez, la première journée, ils ont été créés le sixième jour, le septième jour, c'était déjà le sabbat, le repos.
Imaginez Adam et Ève aller dormir quand Christ, le Père et le Fils, venaient passer du temps spécial avec eux dans ce septième jour. Notre attitude, notre comportement montre que nous avons un problème de compréhension avec le sabbat. Est-ce possible que le sabbat soit devenu comme un contenant vide, en devenant une chose à faire, mais que nous passions à côté de l'objectif du sabbat qui est son contenu? On l'a vu tantôt, le Seigneur est notre sanctification. C'est une journée spéciale avec notre Créateur, avec notre Rédempteur, avec notre ami. Il nous a donné une journée universelle de repos pour que nous ne soyons pas dérangés par toutes sortes de distractions. Ne sens-toi pas coupable, ça, c'est une journée off que je te donne. Une journée que tu n'as pas besoin de travailler. Hey, merveilleux! Moi, vous savez, j'étais un peu comme mon père, et ma mère aussi était comme ça. Elle travaillait tout le temps, je veux dire, il était pas prêt à s'arrêter. Il y avait toujours quelque chose à faire, puis moi, j'ai de la misère à m'arrêter aussi. Merci, mon Dieu, pour le sabbat, parce que sinon, je me connais, j'arrêterai pas. Le jour du sabbat, je compte... 7 jours, moi, je serai un workaholic. J'arrêterai pas. Bien, au moins, j'ai cette journée-là pour vraiment m'arrêter. M'arrêter, cesser de travailler et entrer dans ce rendez-vous spécial-là avec mon Créateur. Oui, il nous a donné cette journée-là universelle de sabbat pour qu'on puisse ne pas être dérangé par toutes sortes de distractions. Un rendez-vous dans lequel il veut connecter avec chacun de nous, avec chacun de vous, personnellement. Mais est-ce important que ce soit le septième jour ou le samedi? Qu'en est-il de cette période de 24 heures? Certains me disent, tout ce que tu as dit à date, là, c'est vrai, je suis d'accord avec tout ça. Et moi, j'entre dans le sabbat tous les jours. Cette période de 24 heures du samedi, c'est une relique de l'Ancienne Alliance. J'ai la réalité, je n'ai pas besoin du symbole. Vous avez peut-être déjà entendu ça, ce genre de commentaire-là. Mais vous savez que le sabbat a été donné longtemps avant Israël. On l'a vu depuis même Genèse 2, hein? Dès le premier jour de nos premiers parents. Intéressant. Donc, ce n'est pas depuis l'alliance avec Moïse, le sabbat. Certains disent, ben oui, c'est au mont Sinaï que le sabbat était donné. C'était pour les Juifs, ça. On n'est pas des Juifs, nous autres. Mais ce n'est pas depuis Moïse, c'est depuis la création, le septième jour. Dieu a donné le sabbat à nos premiers parents, qui pourtant étaient parfaits, hein? Il n'y avait pas encore le péché qui était arrivé. Donc, il l'a pas donné parce qu'on était des pécheurs aux Israélites, parce qu'ils étaient des pécheurs. Non, même nos premiers parents l'avaient le sabbat. C'est intéressant. Intéressant. Ils avaient une relation avec Dieu à tous les jours, eux, parce qu'il n'y avait pas encore eu le péché qui avait mis une séparation entre Dieu et les hommes, et Adam et Ève. Mais ils avaient tout de même besoin du sabbat du septième jour, comme un signe, un mémorial, un rappel et un cadeau pour eux. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que c'était un rendez-vous d'amour que Dieu voulait avoir avec Adam et Ève et qu'il veut avoir avec nous aussi aujourd'hui. Alors, si on choisit un autre jour que le jour d'adoration de Dieu, le jour où on connecte avec lui, cela devient quoi? Notre propre œuvre. Le jour que Dieu a choisi et pour lequel il s'est reposé est le septième jour. Si on se dit, non, mais je vais faire le dimanche, mais c'est alors vous qui prenez l'autorité que Dieu n'a pas donnée et en disant, je choisis par ma propre autorité, je décide quel jour. En Éden, vous savez que Dieu a donné un arbre qu'il ne devait pas toucher. Ce n'était pas à eux de décider lequel arbre ils ne devaient pas toucher. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit.
De choisir un autre arbre aurait été comme d'usurper l'autorité de Dieu, n'est-ce pas? Ça aurait été un acte de rébellion. C'est la même chose que si on dit « je garde tous les jours et je vais à l'église le dimanche ». La question à la fin en sera une d'autorité. On arrive à la fin des temps. On le sait, on le voit, Jésus revient bientôt. Vers qui va mon autorité? Vers Dieu ou c'est moi l'autorité qui décide? Si nous sommes celui qui décide, cela devient notre propre œuvre. Mais on veut entrer dans les œuvres de Dieu. Complète, parfaite, totalement accomplie. Rien à y redire. Qu'est-ce que je pourrais redire aux œuvres parfaites de Dieu? Donc, si ça devient notre propre œuvre, bien, nous sommes en train de manquer le signe qui est justement non pas notre œuvre à nous, mais l'œuvre de Dieu. Vous me suivez? C'est l'essence même de tout l'Évangile de Jésus-Christ dont je vous parle. Paul disait constamment, non pas moi, mais Christ. Lors du repos du septième jour, nous sommes en harmonie avec notre Créateur et nous le rencontrons lors de sa journée, où il s'est lui-même reposé. Vous savez, il est arrivé que c'était mon anniversaire de mariage et que je n'étais pas là, je n'étais pas présent. J'étais dans un voyage d'affaires. Ah! Encore, Sébastien, pas fort. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que j'aille en voyage d'affaires, puis ça tombait en plein le jour de notre anniversaire. C'est pas l'idéal, hein? Et à mon retour de mon voyage, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a refait l'anniversaire. Mais vous savez quoi? C'était pas la même chose. Parce que c'était pas notre journée. Notre journée, nous, c'est le 2 août. Bon, je viens de vous dire ma journée. C'est notre journée à nous, à moi puis elle. Maintenant, vous la savez. Mais c'est cette journée-là, nous, le 2 août. Donc, si on le fait dans une autre date, oui, OK, mais ce n'est pas notre date. Le sabbat, c'est notre journée spéciale avec Dieu, que Dieu lui-même a instituée à la création. Vous savez, il y a deux choses qui ont institué, deux institutions qui a fait lors de la création, Dieu, n'est-ce pas? Il a fait le mariage et le sabbat, deux choses, avant même le péché. Hein? Est-ce qu'on peut altérer cela et espérer le même résultat? Donc, est-ce que la journée a une importance? Est-ce que la journée a une importance? Amen. Amen. Quand on comprend sa signification, on est obligé de dire Amen. Et quand on arrête de travailler le jour où Dieu a dit de s'arrêter, cela est un signe que c'est lui qui a tout accompli. Si on s'arrête à n'importe quel, lequel autre jour, cela devient en fait notre propre œuvre. Prenons un très beau verset pour terminer, qui se trouve dans Psaume 116. Psaume 116, versets 12 et 13. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » C'est qui parle? Vous savez? David. Il dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous les bienfaits de son salut envers moi, qu'il me donne gratuitement? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour lui rendre le salut qu'il m'a donné en Jésus-Christ? J'ai pas assez d'argent pour ça. J'ai rien que je pourrais faire de mes œuvres qui pourrait compenser le don si précieux de son Fils unique. Vous savez que quand il a donné son propre Fils, il a donné ce qu'il y avait de plus précieux au ciel. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux qu'un fils ou une fille? Peut-être que je peux faire ceci ou cela ou autre chose pour obéir et impressionner Dieu. Et voici la réponse au verset 13. Je vais élever
ou recevoir, on pourrait dire, la coupe du salut. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. La meilleure chose que vous pouvez faire avec le cadeau du salut, c'est quoi? Merci. C'est de le recevoir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un cadeau? On peut dire, non, merci, j'en veux pas. Et Dieu respecte ça. Mais on peut aussi dire, je reçois, merci. Merci, j'apprécie ton cadeau. C'est simple, l'Évangile, hein? On pourrait expliquer l'Évangile à un petit enfant et il comprendrait. C'est pas obligé d'être compliqué, l'Évangile. Les grands théologiens font bien des complications. Et c'est pas mal intentionné. La Bible, parfois, peut avoir des difficultés à la comprendre. Pourquoi il y a autant de dénominations chrétiennes avec la même Bible? Mais quand on réduit ça à ce que c'est vraiment le repos de Dieu, je pense qu'on peut saisir, n'est-ce pas? Recevoir la coupe du salut. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est pas d'essayer de gagner notre salut ou de le mériter. Ah, nos grands-parents, ils étaient vraiment dans ce mode-là, en tout cas ici au Québec, hein, beaucoup. C'est pas d'essayer d'impressionner Dieu non plus par notre obéissance et notre observation du sabbat. Est-ce que l'on traite le sabbat comme un travail? J'ai déjà entendu des gens me dire qu'ils n'ont jamais manqué un sabbat de leur vie. Vous avez déjà entendu ça? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière ces mots? Ce que le nom dit de ça? Bien, je suis fier de mon observation du sabbat. Je suis satisfait de mon respect du sabbat. Mais on passe à côté. Le sabbat, ce n'est pas une chose à faire. Ce n'est pas un requis légaliste, le sabbat. Dieu a dit, « Mon enfant, j'ai tout fait pour toi en mon fils. Il est le Seigneur du sabbat, reçois-le. » Recevoir Christ est de recevoir la vie éternelle et la sanctification. Il est la vie. Le sabbat est un signe qu'il est la vie. Le sabbat est un signe qu'il est la vie éternelle et la sanctification. Et le sabbat, c'est un rappel hebdomadaire, une borne dans le temps, parce qu'il sait qu'on est oublieux. Mais en général, les humains n'aiment pas l'idée que Jésus a tout fait. Ah, je me suis souvent fait dire ça, moi. Parce qu'on a l'air d'amener qu'on n'a pas d'effort à faire. Certains même appellent cela une hérésie. C'est comme s'ils souhaitent ou ils voudraient avoir une part à faire dans le salut. Non, mais je vous demande, quelle part est-ce qu'on peut faire pour contribuer à notre salut? Je vous pose la question. Pensez-y. Rien! Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre salut? Est-ce qu'on a notre part à faire? Lui, il a fait la sienne. C'est beau. Mais moi, maintenant, il faut que je fasse la mienne. Ça marche, est-ce que ça marche comme ça, l'Évangile? Non, on est en train de tordre l'Évangile, mes frères et sœurs. Selon David, tout ce que vous pouvez faire, c'est de le recevoir. Recevoir un salut déjà accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il me reste à accomplir, moi? Il me reste juste à rentrer dans son repos, à arrêter de résister. C'est ça le plus dur de la lutte du chrétien, par contre. Parce que Jésus a dit, je vais attirer tous les hommes à moi, comme un aimant. Puis qu'est-ce qu'ils font, la plupart des hommes? Bien, ils se tiennent pour ne pas se laisser attirer. Pourtant, ils attirent tous les hommes et les femmes et les enfants et tout le monde est attiré par Dieu, qu'il veuille ou non. Même s'il dit qu'il ne croit pas en Dieu, Dieu l'attire. Dieu l'attire. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, parce que le salut est accompli en Christ, n'est-ce pas? Ça s'est passé, ça, sur la croix. Il a eu la victoire et il est ressuscité. Parce qu'il avait mené une vie sans péché, son Père l'a ressuscité. C'était juste. Donc, tout avait été accompli. Le salut en Christ est accompli pour tous les êtres humains de cette terre. Maintenant, pourquoi ce n'est pas tous les êtres humains de cette terre qui vont être sauvés à la fin? Parce que Dieu ne force pas personne. Si tu n'en veux pas de son salut, est-ce qu'il va t'emmener de force au ciel?
Mais non, Dieu respecte notre libre arbitre. Parce que c'est là-dessus qu'est basé tout le gouvernement de l'univers. Le libre arbitre. L'amour, c'est le libre arbitre. L'amour, elle ne force pas personne. On est libre. Donc, si un de ses enfants qu'il aime, que dans sa conscience, il essaye constamment de lui parler, de l'amener vers son fils Jésus, de l'attirer à lui, s'il résiste puis il ne veut pas, bien à la fin, quand les actions secrètes des hommes vont être passées en jugement, bien, Christ n'était pas dans sa vie, n'était pas dans ses œuvres. Il a résisté, il n'en a pas voulu. Il n'a pas voulu laisser Christ l'attirer. Puis si on va tout seul devant le jugement, bien, on ne passe pas, mes frères et sœurs. C'est seulement, qu'est-ce que Dieu veut voir? Il veut voir Christ en nous. C'est ce qu'il s'attend de voir en nous. Et vous savez, Galates 2:20, je dis toujours ce verset-là. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par l'Esprit de Christ en nous. Voilà ce que le Père veut voir. Et l'Esprit, c'est la vie. C'est son caractère. C'est pour ça que quand vous avez Christ en vous, et comment faire pour avoir Christ en nous? On peut demander. On peut prier Dieu. Peut-être si on n'a jamais prié Dieu, on peut faire l'essai ce soir. Se mettre à genoux, dire, mon Dieu, je ne sais pas par quel bout prendre ça, mais... Fait que l'Esprit de Christ puisse être en moi, que je puisse avoir le caractère de Christ. Révèle-toi à moi, montre-moi ton amour. Révèle-toi à moi. Aide-moi à arrêter de résister. Et la première chose qu'on doit faire ensuite, c'est de prendre conscience qu'on est un pécheur. C'est la même chose qu'un alcoolique. Les alcooliques anonymes, quand vous allez à une réunion, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils doivent reconnaître qu'ils sont des alcooliques. Même après, quand ils vont au micro pour faire des témoignages, ils vont se présenter, ils vont dire « Sébastien, alcoolique ». Et nous, on devrait dire « Sébastien, pécheur ». Reconnaître qu'on est un pécheur. Je ne pourrai jamais arriver à la victoire sur le péché par mes propres efforts. J'ai besoin que l'Esprit de Christ vive en moi. Amen. Ah, oh, mes frères et sœurs, c'est comme si on voudrait faire notre part dans le salut. Mais on ne peut pas contribuer à rien dans le salut. C'est déjà accompli en Christ. On peut juste le recevoir. Recevoir un salut qui est déjà accompli et ne pas résister. Dieu ne dit pas, OK, j'ai fait ma part, maintenant, toi, tu gardes le sabbat et tu vas être sauvé. Je sais qu'on ne dit pas cette chose-là comme ça parmi les adventistes, mais des fois, notre comportement révèle, on dirait que ça révèle quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Certains m'ont dit, ne dis pas que Jésus a tout fait. On a notre part à faire. Mais dites-moi, quelle part on a à faire autre que de recevoir ce que Jésus a fait pour nous? Amen. Adam et Ève en Éden, quelle part de la création est-ce qu'ils ont fait? Ben, vous allez me dire peut-être, ils ont nommé les animaux. Mais ça, c'est une interaction que Dieu a eue avec eux. Et ils n'ont pas créé les animaux. Dieu les a fait participer parce qu'il veut que ses enfants puissent interagir avec lui. Il les aime. Merveilleux. Mais il n'y avait rien à redire. Tout était parfait. De même pour la recréation de l'homme en Jésus. Le sabbat est un signe de cela. C'est le fruit de l'entrée dans son repos. Et Dieu veut écrire sa loi où? Dans notre cœur. Toute contribution de notre part au plan du salut se trouve à détruire ce plan dans notre esprit. Avez-vous imaginé ça? Est-ce que le sabbat rafraîchit vos âmes? Est-ce que le sabbat pointe vraiment vers le Seigneur du sabbat? Est-ce que vous passez du temps de qualité avec le Père et le Fils? Mais je prie que le sabbat ne soit pas devenu un fardeau pour vous et pour moi. Dieu n'a pas besoin de nos actions légalistes pour nous sauver. Dieu veut se réjouir dans une relation d'amour avec nous. Quelle est la dernière fois où vous avez eu un rendez-vous avec une personne que vous aimez? J'espère que ça arrive régulièrement. Pourquoi? Pour entretenir la relation. Si vous avez une date lors de votre anniversaire de mariage et que vous manquez cette journée, wow! Difficile, hein? Le sabbat
est un rendez-vous spécial avec le Père et le Fils, à toutes les semaines, le septième jour. N'oublions pas que le sabbat est un signe. N'oublions pas que le sabbat n'est pas la destination. Nous ne sommes pas arrivés quand nous observons le sabbat. Ne révérons pas le sabbat plus que le Dieu du sabbat. N'honorons pas le sabbat plus que le Fils de l'homme qui est le Seigneur du sabbat. Mes frères et sœurs, entrons dans son repos à lui, dans ses œuvres parfaites. Amen. Dieu vous bénisse.